Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Un club, une histoire. À l'occasion de mes vacances entre Reims et Verdun et au chemin des Dames où je me trouve actuellement, j'ai eu pour idée d'aller rendre visite à un club d'arts martiaux historiques européens à Reims, le club Ex Machina. Et nous voilà donc avec Aurélien du club Ex Machina. Salut. Salut. Donc, tu es d'accord pour une petite séance de questions-réponses, voir un peu... Ouais, j'ai pas envie de me faire défoncer donc, par un coup de poing habilement placé, donc ouais, allons-y pour ta question-réponse. Alors, c'est parti. Mais déjà, qui es-tu? Que fais-tu? Fais-nous un petit CV, un petit récapitulatif, un peu de ton parcours. Donc, Aurélien Nouvion, je suis pratiquant d'AMHE chez Ex Machina depuis 2013, donc l'année où on a fondé le club avec des copains. Depuis, ça a eu une belle vie, puisqu'aujourd'hui, on a une trentaine... de membres et on a un rythme de croisière qui est plutôt sympathique avec les arrivées, les départs. Donc là, on est donc Ex Machina est présent à Reims depuis 2013. Là, c'est Ludivine Frémaux qui en est présidente, puis qui gère le club et s'assure que tout le monde en est pour sa pratique. Donc là, c'est assez confortable. Elle m'a laissé l'instruction au dojo, donc je suis responsable des séances au dojo, du fait que ça se passe bien. Une tête, enfin dire une partie administrative, gestion du club pure et dure, et une partie terrain avec les instructeurs comme toi qui s'occupent des élèves. Ouais, voilà. On a vraiment choisi de séparer les deux activités parce que si tu es instructeur et que tu fais l'administratif, pour nous ça collait pas. On est peut-être pas trop mauvais instructeur, mais alors en administratif on n'y arrive pas du tout. Et Ludivine, en termes de gestion administrative, elle nous a mis le club au carré, enfin, c'est génial. Derrière, on a les possibilités pour s'exprimer, donc on profite à fond des 7 heures par semaine qu'on a au club et des différentes disciplines. Là-dessus, ouais, c'est une recette qui marche. Pour l'instant, ouais, la recette marche bien et c'est la saison 2017-2018, elle était vraiment sympa. Donc là, j'attends avec impatience le 2018-2019, voir où on va aller et ce que ça va faire celle-là. Quoi. Ça va être bien. Reprise le 4 septembre, ça va être cool, quoi. Vous nous tiendrez au courant. Ouais, t'es informé, de toute façon, on continue à discuter, et puis tu verras les productions cette année, normalement ça devrait être bien. Bon, parfait, j'ai hâte de voir ça. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement personnel, d'investissement personnel. Au niveau des arts martiaux que vous proposez dans votre club, il y a quoi? Je peux voir on peut voir peut-être à la caméra sur l'image, de la hache, de la bocle, de l'écu, on dirait, de l'épée longue. Qu'est-ce que vous faites exactement? Là, pour le coup, tu as des épées une main, peu d'épées longues, en fait, là-dessus. C'est plus un club où tu as différents pôles d'études. C'est-à-dire que les gens, selon leurs envies et ce qu'ils ont envie d'apporter, on va leur laisser des espaces où ils vont pouvoir s'exprimer sur toutes les disciplines. Alors aujourd'hui, de la gladiature romaine, pour le coup, des gars qui travaillent le provocateur et entre le combat celte et le combat romain, pour le coup, les gars t'expliqueront ça beaucoup mieux que moi. On arrive ensuite, période médiévale, donc sur le duel épée-écu, plein Moyen-Âge central. Le début de l'escrime sans armure avec le manuscrit 1.33, l'épée-bocle bolognaise. On a eu un pôle l'année dernière, on va voir ce que ça donne cette année. Et puis de la boxe, donc boxe française, boxe anglaise et de la lutte. Ça dépend des personnes. Ça veut dire que sur des coups, le gros du travail, ça va être épée-bocle, épée-bouclier. J'ai oublié la hache noble. Anaïs a envoyé un pôle d'études sur la hache noble l'année dernière, donc à hauteur de là, entre 4 et 7 heures par semaine, selon les envies. On peut séparer sur les personnes qui arrivent quand ils travaillent à 4, à 6 ou à 8. Ils sont suffisants, ils sont autonomes et ils vont bosser, développer leur propre technique. Il y a des armes qui vont être pratiquées en continu, et il y en a d'autres qu'on va être là pour des séances découvertes, histoire de diversifier un petit peu. Tout ce qui est pour le moment le travail sur la hache, c'est pas un pôle d'études, c'est pas des heures que tu as semaine par semaine. Entre 4 et 7 heures par semaine, principalement épée-bocle, 1.33, l'année dernière, escrime bolognaise, et de temps à autre, ce sont les personnes, parce qu'on est un club qui accueille aussi pas mal de personnes de la communauté AMHE qui arrivent, qui prennent un temps, etc. Donc le temps d'une séance, ils vont nous faire découvrir
leurs armes et nous on va partager un voir peu aussi avec... peut-être leur interprétation par ouais. rapport à une source ou ouais là on a eu des discussions vraiment intéressantes sur Mancholino et Marozzo pour l'époque bolognaise l'année dernière, donc italienne 16e siècle. On en a aussi qui font de l'épée-bocle allemand, manuscrit 1.33 ou Lichnitzer, qui arrivent et qui discutent. Donc, de temps en temps, on va avoir des séances vraiment centrées sur ces pratiques-là. Au niveau un peu plus, on va pas dire sportif, mais est-ce que participer au jeu des compétitions qu'il peut y avoir dans les AMHE, au niveau régional, au niveau national, ou voire international, est-ce que vous êtes impliqué un peu dans ça ou vous faites que du loisir? Pas à l'échelle du club, plus à l'échelle d'individus. Quand on a dans le club qui veulent faire des compétitions, on va pouvoir les entraîner pour faire des compétitions. Vu qu'on n'a pas encore de circuit vraiment national, quand on arrive, c'est directement, on va se confronter aux circuits internationaux et du coup, ça va demander une préparation assez typique. Du genre, j'ai en exemple, novembre 2014, on est parti en Suède à Swordfish, c'est directement une compétition de lutte à très très haut niveau. Ensuite, on a fait 2015 à Nantes où il y avait aussi un, 2016 pardon, à Nantes où il y avait aussi un international. Et là, plus récemment, on a fait le Vercingétorix Schema Tournament en Auvergne. Donc, de temps en temps, quand les membres veulent, ouais, on participe à des compétitions. Oui, le tournoi de Vercingétorix dans le VXT, où j'ai pu vous voir faire une jolie démo d'épée à une main et cul 13e siècle. C'est ça, ouais. Tu vois, l'épée à une main et cul. On a fait une belle démo avec Amine. Donc, là, le but, c'était, c'est plus dans cette optique qu'on travaille, où on va aller à fond dans la pratique entre personnes, pouvoir enchaîner toutes les techniques qu'on connaît en ayant une intensité physique au plus haut de ce qu'on peut donner, pour le coup, et sans la course au point de la compétition. Là, on pure est... recherche de plaisir. Ouais, le pur plaisir, à fond, ouais. Quand t'es avec quelqu'un et que tu peux envoyer toutes les techniques que t'as, te prendre des cartouches de l'espace, enfin c'est... Oui, je crois qu'il y a eu un petit peu de casse, je crois. Il y a eu un peu de... Ouais, je suis... J'ai pris une belle cartouche sur la tête, que je lui ai rendu après parce que c'est la joie de donner, plaisir de recevoir ou l'inverse. Enfin, voilà, on veut aller au plus loin et là-dessus, il y a d'autres formats que la compétition qui le permettent. Donc, on essaie de tout explorer pour se faire plaisir quoi, et puis pour en envoyer au maximum. Donc, on a vu un peu tout cet aspect, on va dire, recherche personnelle. Voilà, il y a un fort travail de groupe, on va dire, quand même, ouais. qui peut se faire. Quel est, au niveau de ta ville, quelle est la vision que peut avoir ton club? Est-ce que les gens savent que vous existez ou est-ce qu'il faut qu'eux aussi fassent des recherches pour savoir qu'il y a un club à MHE à Rennes? Ouais, attends, clairement, il faut qu'ils sachent qu'on existe. Hein. On est dans une maison de quartier à la Neuvillette, donc à quartier nord de la ville, là-dessus. Après, c'est pas notre volonté non plus de monter à 80 ans. Donc si jamais il y en a qui veulent venir faire un club, etc., avec 80 personnes et faire du chiffre, il y a possibilité. Mm-hmm. C'est pas le cas, on est davantage orienté vers la pratique et... loisirs, épanouissement des gens, ils viennent et ils trouvent des trucs. On est connu sur certains aspects, bon, forum des on participe aux manifestations de la ville et du quartier, les fêtes de quartier, forum des associations, journée du patrimoine. On a une petite visibilité au sein de la ville. Oui, vous avez quand même une vie sociale, je veux dire, par rapport ouais. à... Ouais, on sort du dojo, on fait ouais. des trucs. Je veux dire, sur 50 week-ends par an, t'as peut-être une trentaine de week-ends qui sont pris quand même, donc c'est... Comptant les entraînements, les sorties et tout, c'est assez bourrin comme vie du club. Au sein de la ville, et puis plus largement dans le Grand Est, il y a relativement peu de clubs. Ça reste assez, assez marginal par rapport à d'autres régions de France où tu as un maillage qui est beaucoup plus étroit. Mm-hmm. La ville de Reims, c'est quand même... bon, il y a eu deux clubs pendant un moment. Maintenant, je crois qu'on tourne, je dirais, environ une trentaine de membres. Là, oui, ça va. Il y a possibilité de monter et de gonfler. Ça demande un gros travail que pour le moment... Il faut la salle qui va avec, il va falloir l'équipe enseignante au moins pour encadrer, si ce n'est pour faire des cours magistraux, mais au moins pour faire des labos. Ouais. Il faut comprendre. Ouais. Il faut des encadrants quand même. Il faut de l'encadrement. Et puis, après, tu sors de ta logique loisir où tu arrives dans un club pour trouver une pratique qui est entre la culture et le loisir, où là, derrière, on arrive pour se montrer et les objectifs ne sont plus tout à fait les mêmes. La ville la politique de la ville est plutôt correcte, on est accueilli, on a notre salle, 3 créneaux par semaine, à 7 heures semaine, c'est pas rien, on arrive à faire vivre tout le monde. On peut participer à des manifestations, on commence à avoir des ouvertures sur les musées, on vient d'avoir une subvention pour des casques gladiateurs, donc tu verras sur la saison 2018-2019 normalement, arriver fin courant 2019 si ça se fait bien.
Donc ça fait partie des projets aussi de développer vos pratiques. Ouais, mais à chaque fois, on part de la pratique. C'est-à-dire que tu fais développer par rapport à la pratique et à ce qu'on a envie qu'elle devienne. Mmh. Si c'est visible, tant mieux. Mais on ne va pas faire quelque chose parce que c'est visible ou que ça rapporte... Faire du sabre laser ou de ce genre de choses, c'est pas forcément dans l'optique ni d'un projet ni dans l'ambition du club de pouvoir... Ah bah à Reims, tu peux trouver l'association de sabre laser qui est à Saint-Exupéry. Donc c'est des mecs vraiment sympas, on a fait des initiations et des trucs croisés. Okay. Tu peux y aller. C'est pas ce que vous proposerez en tout cas avec ce machin. Non. D'accord, faut pas se tromper. Tu viens faire des armes historiques, tu pars d'une source. Tu veux voir comment tu l'appliques dans un contexte sportif aujourd'hui. Et que tu sois pour du loisir ou le plus acharné des compétiteurs, on va avoir de quoi répondre aux attentes normalement. D'accord. Faut pas se tromper. Et, à partir du moment où tu es au courant de tes propres envies, je viens chercher ceci dans le club, normalement, il n'y a pas de souci, tu vas l'avoir. Alors, on va dire que je suis même pas un pratiquant, on va dire que je suis une personne qui a découvert, qui découvre votre club, je viens. En tant que débutant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je dois pas acheter? Comment ça se passe pour une première année, par exemple? Tu as deux séances de découverte, gratuites. Tu viens quand tu veux, mardi, vendredi ou dimanche. Deux séances où tu viens de greffer aux autres avec ta tenue de sport, classique, chaussures d'intérieur, de salle, bon, jogging, t-shirt ou quelle que soit ta tenue de sport pour le moment que tu sois à l'aise avec, tu viens pratiquer. Pour la suite, au début, on va pouvoir prêter un petit peu de matériel le temps que tu découvres ton activité. On va encourager les personnes à être autonomes dans leur recherche et on va les orienter selon le matériel le plus adapté à leur pratique. Si tu veux faire que de la recherche et être à fond sur tel sujet, ben, il va y avoir un petit bout de temps de lecture de sources, d'adaptation, on va apprendre les codes. Et on revient toujours sur ce principe de travail personnel. On encourage à l'autonomie. D'accord. Bien sûr, tu en as qui arrivent. Purement pour du loisir, retrouver les copains, se taper dessus et puis partager des bons moments ensemble. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Bon, eh bien voilà. J'espère que cette petite interview vous aura plu. J'espère que toi aussi, Aurélien, ça va te faire un peu à la renommée de ton club. Donc, vous allez avoir les coordonnées du club qui vont s'afficher sur l'écran. Et si vous habitez sur Reims ou sa région et que les AMHE vous intéressent, n'hésitez surtout pas à contacter Aurélien. Vous voyez, il ne vous mord pas, il ne va pas vous taper de suite. Et je pense que vous passerez de très bons moments. Voilà. On vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Romain. Ah ben avec plaisir. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Vous avez pu découvrir un club, une histoire et des enseignants. Des arts martiaux historiques européens. J'espère qu'ils vous donneront l'envie d'aller essayer. Et si jamais, en plus de ça, vous pouvez visiter cette belle région qui est la Champagne, Ardennes et l'Argonne, eh bien, allez-y, ça vaut vraiment le détour. Au revoir et à la prochaine.